là là, je stresse. Mais non, t'inquiète. Tout va bien. Non, ça passe. Respire. Voilà, plus. Mais si. Regarde ces œuvres. Magnifique. Bonjour, ah, madame de la Roche. Bonjour. Bah, vous pouvez vous asseoir. Hein. Merci. Vous voulez quelque chose à boire? Oh, oui, bien sûr. Donc, nous sommes ici, comme vous savez, pour le vernissage de mon cher ami, Chen Chan. Enchanté. Alors, j'ai fait un tableau sur New York, car j'adore New York. J'ai représenté le fleuve, un fleuve. Là, derrière, j'ai esculpé les couleurs pour que ça passe comme on ait l'impression qu'il y ait du brouillard. C'est extraordinaire. C'est immonde. Moi, je dis, c'est de l'art. Ah oui, tout à fait. Vous avez raison, madame. Un petit peu de champagne. Merci. Tiens, mon cher ami. Merci. Alors, vous avez retrouvé votre chat? Oh non. Il me manque tellement. Je comprends. Mais vous qui n'aimez pas les chats, comment ça se fait que j'entends des miaulements? Chez moi? Oui, chez non. Vous. Oui. Oh, ça doit être à la télévision, un reportage. Vous mettez la télé non-stop tous les jours chez vous. Bah, vous savez, hein, je m'en fais un petit peu. Ah oui, c'est sûr que vous n'auriez pas faire grand-chose vu que les poubelles sont très mal rangées. Je ne vous permets pas. Ah si, c'est je vis quand même dans cet immeuble. Attendez, madame, si vous n'aimez pas les poubelles, vous les rangez vous-même. Excusez-moi, j'ai un métier. Oui, madame, joue avec des chiffres, c'est très dur, un plus deux, tout mais ça. Mais moi, au moins, je vous paye pour ce métier. Bah, si vous n'aimez pas, vous payez alors. Et puis mon métier, vous n'avez pas envie de le faire, à ce que je sache. Ah bah, qui sait. Vous pouvez essayer, hein, ça me dérange pas. Ah, mais j'ai autre chose à faire, moi je mets pas mes mains dans les poubelles. Mais non, demain, on le ramène les poubelles. Ça va l'occuper. Hein, madame de la Roche. Et vous, monsieur? Oui. Quand je fais du yoga, vous faites. Vous me dérangez? Comment ça? Vous rigolez? Bah, il met de la musique, il en a besoin pour son travail. Vous non, mais là, vous blaguez, madame. Je suis désolée, c'est pas de la musique, c'est du bruit. C'est du chahut. Ça m'aide à. Pour ses œuvres magnifiques. Pour ses œuvres? C'est moche, c'est laid! C'est immonde! Ça, c'est laid! Oh, Mario, vous voyez votre couple là? Comment ils m'ont pu? Sortez de chez moi maintenant! Au revoir, et madame de la Pierre! Non, non, attendez, vous allez ranger tout ça! Non, mais non, je crois que là, on a a priori un problème, d'accord? On a une femme enceinte qui, sous prétexte qu'elle est enceinte, double une file entière d'un supermarché. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Oui. Ça vous met dans quel état, en principe? C'est normal. C'est normal? Pour vous, c'est normal? Oui. D'accord. Ok, c'est normal. Est-ce que pour d'autres gens, c'est pas normal? Elle aurait pu demander. Elle aurait pu demander. Ah, d'accord. Ah, voilà. Okay. Oui, quand même. Voilà, c'est normal, mais ça aurait pu elle faire peut être plus aimable. Donc, plus aimable. Le thème de cette scène, à votre avis, de quoi on parle? De la communication. La communication, ouais. Du civisme, la civilité, d'accord? Ok, voilà. Vous allez voir qu'il n'y a pas que la femme enceinte qui fait des bêtises. Oui. Et on reprend, action! Excusez-moi, madame, on est dans un supermarché. Oui. Attends, j'ai volé. Oh, je vais faire une crise, là. Alors, le thème de cette scène, à votre avis, de quoi on parle?
C'est un truc méchant. Ben oui, c'est un truc méchant. Là, assis sur ce banc. Les filles, vous n'avez rien dit, par exemple, vous étiez là. Ça vous a semblé normal? Non. Non, vous aviez envie de faire quelque chose? Oui. Faire quoi? La faire sortir. La faire sortir? Carrément, dehors. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Mademoiselle. Qu'est-ce que vous feriez? Si vous avez beaucoup ri pendant cette scène, vous avez vu. Je vais parler. Ah, vous allez lui parler. Vous avez envie d'essayer de lui parler, de la raisonner? Dans la scène, si on rejoue la scène, on imagine que voilà, vous essayez de cette scène. Mais non, justement, les comédiens sont là pour ça. Vous, vous allez essayer de lui parler. On essaye? On peut l'applaudir, hein, c'est ça. Ça va être le grand thème de la paix. Parce que je crois qu'il y a beaucoup qui savent, qui viennent des horizons, qui ne sont pas venus chez nous, pas parce qu'ils avaient envie, mais parce qu'il y a la guerre chez eux. Donc là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix, pour regagner la paix, que nous, en Europe, on fasse attention à ce qu'on a, ça fait 70 ans, qu'on a la paix. Et